Bonjour, comme promis, voici une vidéo de plus d'une minute. Merci pour les likes. N'hésitez pas à me proposer des idées de scènes roleplay dans l'espace commentaire parce que bon, il est aussi vite que le compte bancaire de Pécresse. Donc le plan, très simple, on a deux otages, on a la baraque, on va prendre les otages, on va demander une rançon, donc 10 000 par otage, donc 20 000 euros en tout. Enfin, on va dire qu'on va libérer les otages, sauf que c'est un stratagème un peu spécial parce qu'on va rentrer dans les cages et ouvrir le sas. On va tomber, récupérer la voiture de secours en dessous, aller chercher la deuxième voiture et se barrer incognito. Ça devrait se passer comme ça. Est-ce que ça va se passer comme ça? C'est une autre question. Et littéralement 20 secondes plus tard. On vient de nous voler l'audi. Quoi? Je te l'avais dit. Viens, 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 dépêche, dépêche, dépêche. Mec, gros, gros, rattrape-les, rattrape-les. Parce que les mecs, s'ils ont l'audi, on est dans la merde. Mais clairement, qu'est-ce qu'ils vont faire avec une audi? Il n'y a pas de commandant de voiture, vraiment. Ça casse les couilles. Mais non, mais t'es dans la vieille voiture de merde, là. Mec, t'es sérieux? T'as vu comme elle dit, c'est insupportable. Non, non, mec, c'est Grand Turismo, gros, tu fais des dérapages. Non, mec, ça vénère, gros. Mec, pendant 30 minutes, il y a eu zéro vol. Paf. Étienne va avoir un accident. Il mourra dans quelques instants sous les massages impuissants des pompiers. Sécurité routière. Ok, arrête-toi, sors du véhicule, dépêche-toi. Tu vas arrêter de prendre le véhicule, on en a besoin, d'accord? Donc là, t'es en train de niquer tout un port. Donc tu vas rentrer dans le véhicule avec ton pote, dépêche-toi. Allez hop, dépêche-toi, rentre. Il était à côté du chalet. Rentre, rentre, je savais, rentre. Il était à côté de la plage, dépêche-toi, rentre. Ramène-le au truc, je t'es au mauvais endroit, t'es au mauvais endroit, c'est dommage. Putain, heureusement que j'ai entendu. Mec, bien joué, franchement, j'avais pas entendu. Merci le truc. Ah, sors du véhicule une fois, deux fois. Vas-y. On a deux. Mec, ça me casse les couilles. Le mec, il est sur Discord, c'est insupportable. Bizarrement, ton pote, il est informé. Bizarrement, quand t'as retiré tes moyens de communication, il est quand même venu devant chez nous. Classique, on va pas prendre un coup, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai dit, moi, frère? Essaye donc, j'ai rien dit du tout. Par des trucs externes, t'es mort, d'accord? Essaye donc. Essaye, parce que mon pote, papy, mais la vie de ma mère, j'ai rien fait, frère. Alors, il est venu devant notre baraque klaxonner. Je suis pas contre, frère. Il est venu klaxonner devant notre baraque. Papy, mais qu'est-ce que je lui ai rien dit, frère? Je lui ai rien dit, je lui ai rien dit. Je m'en bats les couilles. Papy, 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 papy. Normalement, vous n'allez pas le prendre. T'es braqué, mon gars, donc tu fermes ta gueule, toi, d'accord? C'est vous qui devez me soigner le Gigi? C'est vous qui devez me soigner le Gigi? Exactement. C'est ça. C'est l'examen de la prostate. On a des petites vacances, si vous voulez. Ouais, moi j'ai non, encore faim. Non, j'ai faim. Aïe, mes jambes. Okay, mes jambes. Ah, mes jambes. Je vous donne une pizza, essayez de grailler dessus. Parce que attendez, mais je vais tomber. Vous pouvez me la mettre devant moi parce que sinon je vais tomber. Je suis. Ouais. Mes jambes, elles sont cachées. Miam. D'ailleurs, je pense à un truc. On est dans le vide, non là. Vous allez peut-être aller dans la deuxième cellule, d'accord? Venez avec moi. On est en Algérie. Vous avez tiré là? Ils ont tiré sur le monsieur. Non, Algérie, non. Maintenant, j'ai pas pris. Oups. J'ai pas vu. En plus, j'ai un sniper. Tu vas nous jeter dans le vide, c'est ça. Donc autant il y est plus, je la vois. Comme vous m'avez tout pris. Vous avez de la surprise. C'est la surprise du chef, tu sais. Au point où on est. J'ai la surprise. Il va nous jeter dans le vide. Fini, billet d'un million. On est en train de recevoir l'argent. On est en train de recevoir l'argent. On va faire quoi, monsieur? J'ai pas envie de sauter, moi. Ça va être chaud parce qu'en vrai, est-ce qu'il y a des fonds? On va bientôt sortir, monsieur. Vous avez je regarde, si je suis dehors, je regarde, mais j'en vois pas. J'ai pas vu la catastrophe. Ils ont mis des barricades en haut pour. Clap, mon gars, clap. En bas. J'ai une idée, j'ai une idée. Je vais leur dire, on va prendre le. Juste les gars, vous, sur le côté, juste quand ils. Vous mettez sur le bord. Stressé, mon vieux poids! Il en a un! C'est un jeu, t'en fais pas. Gros mec, c'est, je joue ma vie là! Donc, vous voyez le pick-up ici? On partira avec. Donc, va falloir qu'aucun véhicule nous suive. Hein. Et les otages, on vous les dépose au chalet. Quoi qu'il en soit, même si le plan se déroule. Ah, mais c'est parce que c'est. On vous donnera peut-être un otage. On va voir pour vous donner un otage comme ça. Le reste, on vous le dépose au chalet. Je vous dis, quoi qu'il en soit, ils seront déposés au chalet. Même si notre véhicule se crash, ils seront toujours déposés au chalet. On va libérer le plus jeune. Le mec avec le chapeau, on libère le plus jeune. Chapeau. Viens, viens avec moi, le chapeau. Ah, jambe. Oui, viens, on libère le plus jeune. Allez, viens. Pas rigoler. Vous taisez ou mettez au milieu. Dépêchez-vous. Mec, on rentre avec eux. Oui, je me mets au milieu. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Mets-toi là. Mets-toi bien, colle bien le bord. Ouais. T'es prêt? Oui, je colle bien. Go. Vas-y, monte. Monte. Attendez-nous. Non, chalet. Ils vont venir vous chercher. Oh putain, c'est qui ça? Ok. Mais.
station essence. Oh putain! Oh le poteau, mec, je l'ai frôlé à 2 mm, gros, on était mort. À 2 mm, on était mort. Oh putain! La vache, vite, vite, vite! La voiture, on la crache, vite, vite, attends, on va là-bas. Go, go, go! Oh putain! Je te l'ai dit qu'une arme, c'était pas. Allez, go, go, attends, vas-y, prends le véhicule, moi je le garde là. Mais non, je l'ai pas, je l'ai pas! Non, t'inquiète, t'inquiète. Allez, hop, go, go, on prend le véhicule là, go, 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 changement! Go, go, go! Rentre en ville, go en ville! Let's go, mec! C'est quoi? Incroyable! C'était épique? Non, non, non. Oh là 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 là, mec! Mais mec, ça s'est bien passé finalement! Bon, après, il y a une balle qui est partie, je me suis énervé! Tu veux, monsieur? Oui, 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 oui. Est-ce que ça vous intéresserait des armes? Je suis vendeur d'armes. Non, merci, non, merci, on est contre les armes, on est contre les armes. On est pacifique. Rentable. Oh, let's go! 15 000 balles! Wouh! Pour tout ça! Arrête de surjouer par contre! Waouh! Waouh!